délicieux, mon Grégory Chou. Oui, mais ça manque un peu de sel. Cindy, aurais-tu l'obligeance de me le passer, s'il te plaît? Merci. Ça a été vos journées? On a eu un contrôle d'informatique super dur, mais je l'ai réussi les doigts dans le nez. Cindy? Oh, normal. C'est ton amoureux? Il est mignon. Non, mais j'y crois pas. C'est possible d'avoir une vie privée si on peut même plus parler tranquillement avec ses amis sans être dérangé toutes les 5 minutes. Et nous, si on veut te parler, on fait comment? Fais comme eux, t'as qu'à t'inscrire sur tadami.com. Alors, prénom W I L L O W. Hein? Encore 1200 questions et votre profil sera validé? Profil complet, ok. Invitez vos amis. Les probabilités sont l'étude des phénomènes appelés expériences aléatoires pour lesquelles la réalisation de... communiquer plus facilement. Si comme tes amis tu m'acceptes, tu pourras voir toutes ces jolies photos que j'ai postées de toi. C'est un cauchemar. Et si on faisait du shopping entre copines? Ah, on peut venir avec vous? Non, toi tu peux y aller avec ta mère. Le mot de passe de maman. Profilus Supremus. Dites donc, elles sont drôlement belles vos roses, Madame Lumberg. Vous êtes sûre qu'elle va bien? Oui, oui, ça va très bien. J'ai juste un petit peu mal au dos, rien de grave. Qu'est-ce qui lui arrive? Maman, t'es là? C'est Tom. Cindy! T'aurais pas fait une bêtise avec la baguette de maman? Tu veux dire comme supprimer son profil tadami.com? Ouais, pourquoi? T'as effacé le cerveau de maman! Elle a perdu toute sa personnalité! Déjà qu'elle n'en avait pas beaucoup. Ma libellule, elle est toute cassée. Ok, ok, on se calme, il suffit juste d'un petit coup de baguette. Pas de panique. Faut juste lui refaire son profil internet pour qu'elle redevienne comme avant. Alors, Willow, né en 1623 sous le signe de la licorne. Je m'appelle Willow, je suis née en 1623 sous le signe de la licorne. Oh, parfait, tout le monde est là. On va pouvoir passer à table. C'est pas vraiment le moment. Mais je meurs de faim, moi. T'inquiète, il y en a pour 2 minutes.
Oh, j'adore jouer au morpion. Oh, j'adore les coquillages. Et moi, j'adorerais qu'on fasse un dôme. On en est où, là? 2%. À ce rythme, on aura 60 ans quand le profil sera complet. Dans les ordi, il y a une zone de stockage qui s'efface jamais, non? C'est peut-être pareil dans le cerveau. Mais comment on va la trouver? Il faudrait carrément entrer dans sa tête. Ah non, pas moi. Ça va, c'est bon, j'ai compris. Tiens, t'en auras besoin pour nous parler depuis le cerveau de maman. Et voilà, pas plus grande qu'une mouche. Une mouche mangée. Cindy, rends-moi ma fille. C'est dégoûtant. Bon, je vais par où maintenant? Attends, je regarde. Misère, on n'est pas prêt de manger. À moins que... Je vais faire des toasts au caviar pour Monseigneur. Je vais faire des toasts au caviar pour Monseigneur. Oh, il adore ça. Monseigneur est en pleine croissance. Il a besoin de beaucoup de vitamines. Monseigneur, arrête ça tout de suite. Tu ne penses vraiment qu'à ton estomac. Un ogre qui me fait la leçon. Je rêve, c'est le monde à l'envers. Je dois cuisiner des cuisses de grenouille pour ma sœur Férocia. Qui est en train de jouer avec l'ordinateur? Je vois passer plein d'objets bizarres. Il y a même une grenouille. Suis-les. Ils vont peut-être jusqu'à sa mémoire. Je te tiens. On grenouille ici. Non, maman. Je dois cuisiner des cuisses de grenouille pour ma merveilleuse sœur Férocia. Cindy, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Mayday, mayday. Quel est mon mot de passe? C'est possible d'avoir un indice? Indice numéro 1, la prunelle de mes yeux. Ah, facile, tes yeux sont bleus. Plus que 2 tentatives avant le verrouillage définitif de ma mémoire interne. C'est... On peut discuter, non? Et si je te cuisinais moi-même un bon petit plat, rien que pour toi? Un autre indice, s'il te plaît. Indice numéro 2. Ce que j'ai de plus précieux. Ah, je sais, ta baguette magique. C'est ta dernière tentative avant le verrouillage définitif de ma mémoire interne. Un peu de sel, Monseigneur. Un peu de sel, Monseigneur. Oh, adieu, monde cruel. Allez, réfléchis, Cindy. À quoi maman tient plus que tout? Mais oui, Cindy. Et Tom. Monseigneur, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'y connais vraiment rien en cuisine. Pour préparer un bon petit plat, il ne faut pas se mettre dedans. Maman! Ma libellule! Je vais faire couler un bon bain chaud pour ma sœurette. Et pourquoi pas une bonne douche froide, hein? Oh, on n'est pas...
vas bien, toutes les deux, à jouer comme quand tu étais petite, ma chérie. Allô? Quoi? Non, j'y crois pas. Il a vraiment fait ça? En fait, je suis occupée là, tu me raconteras. Tu me demandes pas qui c'était? Non, ce ne sont pas mes affaires. Tiens, à toi de jouer. Ah, ouais! Oh tiens, et si je travaillais moi aussi? Ça a l'air très amusant. Après la fée Carabosse, la fée qui bosse, on aura tout entendu. Je te signale que j'étais très active dans le monde féerique. Travailler dans le monde réel, c'est très différent, maman. J'ai peur que tu sois encore un peu... comment dire... à côté de la plaque, totalement à l'ouest. Moi, je crois en toi, ma libellule. En travaillant beaucoup, beaucoup et en faisant de gros efforts, tu as peut-être une chance d'y arriver un jour. Je suis avec maman sur ce coup-là. Fait du logis, c'est pas très épanouissant. Merci, ma chérie. Allez, zou, c'est décidé, je cherche un emploi. J'ai rempli ton profil en ligne. Optimiste, aime la fantaisie, très bon contact avec les enfants. Parfait. Et si on ajoutait bonne connaissance de la magie? J'ai eu mention très bien à mon diplôme. Une seule offre d'emploi sélectionnée. Cherche vendeuse pour grand magasin de magie. Bingo! Le job idéal. Oh, merci, Cindy. Je vais avoir une vie sociale. Je vais rencontrer des tas de gens. J'aurai un badge à mon nom. Si tu te fais pas virer au bout d'une heure. Oh. Qu'est-ce que tu racontes, Férocia? La magie, c'est mon rayon, voyons. C'est bien le problème. On est d'accord. Pas de magie, même si c'est un magasin de magie. Et surtout, tu n'utilises pas tes ailes. Arrête de la stresser. Respire, fais-toi confiance. Ouais, mais pas trop quand même, hein. Relax, les enfants. De toute façon, ça finira bien. Ah, je crois qu'on est arrivé. Voilà, le rayon prestidigitation. Excellent pour l'agilité manuelle. Oh, vous savez, Madame Petitpois, si la baguette est bonne, pas besoin d'agilité. Vous êtes une rigolote, vous. Tant mieux, ça plaira aux enfants. Oh, ça alors? On dirait le miroir que traverse Alice pour aller au pays des merveilles. Ne le dites pas aux enfants, ils voudraient faire pareil. Chut. Oh, il va être l'heure d'ouvrir. Une dernière chose. Si les ventes baissent, si vous rendez un seul enfant malheureux, c'est la porte. En vrille. Parfait. Tu ne préfères pas un costume de fée? Moins de bruit, ma chérie, je suis au téléphone. Je veux la sorcière! Bien, c'est comme tu veux, Candice. Mais avec le déguisement de fée, tu peux voler. Oh, comme c'est gentil à toi d'être passé. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se marrer. Elles doivent avoir un défaut. Je veux voler, je veux voler, je veux voler, je veux voler! Si vous rendez un seul enfant malheureux, c'est la porte. Surtout, ne t'énerve pas, je vais arranger ça. Maman, je veux! C'est très bien, ma chérie, tu pucheras moins tes chaussures.
Oh, ce balai volant est en panne également. Tu imagines si un client l'achetait? Encore un objet à réparer? Oh, merci, Férocia. Qu'est-ce que je ne ferais pas sans toi? Entre frangines, faut bien s'entraider. Moi, si j'étais toi, je lancerais un sort de réparation générale. Tu as raison, c'est bien plus prudent. Excusez-moi, monsieur, vous n'auriez pas vu une fillette avec une cape à capuchon rouge et un petit pot de beurre. Maman avait l'air très heureuse. C'est super qu'elle s'épanouisse dans son travail. Oh! Je me demande si elle s'est pas un peu trop épanouie, là. Ah bon? Mais c'est bien un magasin de magie, pourtant. T'as pas utilisé ta baguette pour autre chose, au moins? Oh non! Rassure-toi! Enfin, rien d'irréversible, en tout cas. Amusez-vous, mes mignons! Bien nu. Maman, t'es trop cool avec Tata. Toute la ville va voir qui on est. Et en plus, je perdrai mon travail. Oh, tu as raison, Tom. Cette fois, elle va m'entendre. Oh. Maman a créé un passage avec le monde des contes de fées. Salut les touristes. Un écu la course, trois la visite guidée du monde féerique. Yuki. Et si on en profitait? Férocia, sois raisonnable. Tu vas me faire avoir des ennuis. Dans tes rêves, pour une fois que je peux être moi-même. Je m'occupe des passants, papa, des trolls, et Cindy, tu files un coup de main à maman. Ouais. Toujours aussi chaleureux, Soyuki. Par ici, les morveux. Animation en hologramme 3D offerte par votre magasin de magie préféré. Il ne fait pas le poids, ton chalumeau sur patte. Essayez de faire avec Yuki. Mais on voulait t'aider. Oh, c'est très gentil, les enfants. Mais vous ne voulez pas me faire confiance pour une fois? Muselle, Muselle! Et rends-moi Muselle! Voleuse! Ma chère sœur, je voudrais que tu saches que j'ai l'intention de m'épanouir dans mon travail. Alors... Ne touche à mes clients, compris? Flagrant délit de vandalisme sur véhicule de la force publique. De quoi passer une bonne nuit au commissariat. Et voilà, mesdames et messieurs, le spectacle est fini.
Vous pouvez retrouver tous ces articles en vente au magasin à deux pas d'ici. Désolée, mon petit chat, j'ai été longue. J'ai volé au-dessus des toits et puis Madame Férocia, elle a volé mes ailes, même que son balai de sorcière y brûlait. Et puis elle m'a accrochée à une antenne de télé. Quel succès! C'est magique! Il n'y a pas d'autre mot. Je vous engage à plein temps. Oh, merci pour votre aide, les enfants. Mais vous devez apprendre à ne plus avoir peur, même si maman est un peu spéciale. Ouais, enfin, disons très spéciale. Et lui, alors? Il est pas spécial. La pâtée gentiment, ma chérie. Sympa ce concours. J'aime bien manger, mais faire la cuisine, c'est nul. On peut pas aller au magasin de jeux vidéo. Voyons, mon Tominou, tous les enfants du monde réel doivent apprendre à cuisiner avec leurs mains. Sans fia. Et sans magie. Quelle merveilleuse journée, n'est-ce pas, Madame Ferrickson? Oh oui, c'est une journée magnifique. Oh! Vous savez ce qu'on dit, ça porte bonheur. Premier assaut, Cindy. L'œil du tigre, Cindy, tu vas tous les éclater. Contre Ahmed. Sois sympa avec moi, je viens de commencer. On peut pas changer. En garde. Mon secret pour réussir un bon gâteau, c'est avant tout l'amour de la cuisine. On n'a aucune chance de perdre avec un vrai chef comme toi. Je suis même ceinture noire de pâtisserie. Oh, 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 yeah. Tiens, tu peux me rajouter de la farine? Éclate-lui la tête, ça va l'impressionner. Laisse-le gagner, il tombera jamais amoureux de toi si t'es plus forte que lui. T'es trop méga douée, j'ai rien vu arriver. Maintenant, je l'ai défiguré. Oh, Sophia doit me prendre pour un gros nul. Ne vous inquiétez pas, les enfants, tout finit toujours bien. On n'est pas dans un conte, maman. Grandis un peu. Un
un petit tour en arrière répare toutes les misères. Je vais leur mettre la pâtée, ils vont voir. Quelle merveilleuse journée, n'est-ce pas, Madame Féerixel? Ah non, pas douter, chère voisine. Hop. Oh, c'est dommage, ça porte bonheur. Je suis même ceinture noire de pâtisserie. Tiens, tu peux rajouter la farine? T'es trop méga doué. J'ai rien vu arriver. Waouh, trop classe le salto. Tu m'apprendras? Il manque plus que la touche finale. Je vais chercher le glaçage. Oh, espèce de gros gourmand, t'as pas pu te contrôler, hein? C'est carrément le plus beau jour de ma vie! Si ce chat n'avait pas massacré notre gâteau, Sophia ne prendrait pas pour un bébé! Oh. Je vais leur mettre la pâtée, ils vont voir! Quelle merveilleuse journée, n'est-ce pas, Madame Féerixel? Vous savez ce qu'on dit? Oh, ça porte bonheur! Avec ça, tu ne devrais pas massacrer le gâteau de Tom. Le jury va adorer. Oh, les gentils petits minis. Quelle merveilleuse journée, n'est-ce pas, Madame Féerixel? Il paraît que ça porte bonheur. Merveilleuse journée à vous. Je te retransforme dès que possible. Maman, je peux avoir la peluche? Oh, descends maintenant, ma petite Cornelis. J'arrive pas, descends. Sophia. C'est vraiment méga courageux ce que t'as fait. N'est-ce pas, Madame Ferris? T'es trop méga douée. J'ai rien vu arriver. Quelle merveilleuse journée! Oh, maman, j'ai pas besoin d'aide. Je maîtrise totalement la situation. Si tu maîtrisais la situation, je n'aurais pas besoin de t'aider. Hein? Oh, je te laisse tranquille, mon Tomino. Amuse-toi bien. Regarde! Ça va, Cindy? Super! Féerixel.
Vous savez ce qu'on dit, ça porte bonheur. Ça ne porte pas bonheur du tout. C'est épouvantable, je n'arrive pas à rendre tout le monde heureux aujourd'hui. Ne soyez pas si dur avec vous-même. Vous savez, parfois il faut accepter de ne pas tout contrôler. Oh, vous avez raison, je devrais juste me détendre un peu. Je peux jouer avec vous? Oh, voilà, t'es contente maintenant? Tu m'as carrément sauvé la vie. Ça te dirait d'aller manger une glace après l'entraînement? Je te dois bien ça. Ouais! T'es vraiment un chef génial, Tom. C'est le plus beau jour de ma vie. Je crois que j'ai un don pour la cuisine. Oh, la journée était presque parfaite. Oh là là, c'est la cata. Tu peux pas faire revenir le soleil avec ta baguette, on va être trempés. Tout ne peut pas être parfait tout le temps, les enfants. Il faut aussi savoir lâcher prise. Maman, t'es sûre que ça va? Oui, allô? On vous demande en salle des professeurs. Regarde comme j'ai redécoré le bureau du principal. Classe, non? Pas mal. Si tu continues comme ça, tu deviendras peut-être ma copine. Yes! Pourquoi toutes ces bêtises en ce moment? Bravo, Cindy! Tu es sur la bonne voie! Quelque chose ne va pas? Maman! Si tu as un problème... Parle-moi! Tu peux pas comprendre. Peut-être que... C'est parce que tu t'es disputée avec ton amoureux? Maman! Tu sais, tu peux... Tout dire! J'ai été jeune, moi aussi. Je sais qu'on peut se faire embobiner par des elfes beaux parleurs. Alors que pour un ogre, c'est dur d'en placer une! Mon chéri, ce n'est pas le moment! Pourquoi tu ramènes toujours tout à toi alors qu'on parle de ta fille? Alors, comment s'appelle ce séduisant jeune homme? Je rêve où on parle de ma vie privée en public! Je sais reconnaître une peine de cœur quand j'en vois une. Alors on pourrait peut-être... Seulement pour l'aider, il faudrait aller voir ce qui se passe à l'école. Mais l'école, c'est interdit aux adultes. Votre attention! Votre professeur d'histoire géo a besoin de faire une pause. Voici sa remplaçante, Madame Willow. Elle a pas fait ça! T'imagines si elle fait de la magie? T'imagines si les copains apprennent que c'est notre mère? La honte! Bonjour. Bonjour. Je suis Tamara. Bienvenue, madame. Merci, Tamara. Ah ouais, bienvenue, madame. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue comprendre ce que je ne peux pas comprendre. Ça va, Cindy? Aujourd'hui, nous allons parler de... Oh! Les guerres du Moyen-Âge! Mais parfait, je connais ça par cœur. Il était une fois un elfe, Gérard, sans peur et sans jugeote, qui rêvait d'épouser la mystérieuse princesse du royaume. Hélas, pour l'épouser, il fallait affronter et battre Murdoch le terrible. Le duel dura 11 jours et 2 nuits. Les combattants écrasaient tout sur leur passage. Si bien que Merlin envoya le dragon du volcan pour les arrêter. Celui-ci tenta de les séparer par les flammes. Mais ce fut un échec et le combat continua. Elle va me payer.
et moi de combat plus tard, Murdoch épuisé trébucha sur un champignon et Gérard en profita pour lui asséner le coup de grâce. Il pouvait enfin épouser la mystérieuse princesse. À la prochaine fois. Ah, c'était super. Super. Madame. Au revoir. Au revoir, madame. Il a l'air sympa, lui. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Au revoir. Non, mais t'as vu ce look en plus? Et cette tête ridicule, hein. Dis donc, hein, si elle a des enfants, ils doivent être au zoo. Il faut s'en débarrasser, hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Si tu veux vraiment être ma copine, arrange-toi pour qu'elle te ridiculise. Oh, bien sûr, oui, ouais. Une pour toutes. Et toutes pour Tamara. Et toutes pour Tamara. Allez, les filles, on y va. J'ai entendu dans les couloirs tout à l'heure que vous faisiez appel à des technologies de pointe pour vos cours. À ce rythme-là, nous serons bientôt remplacés par des robots. Des robots? Ça, c'est une idée. Bonjour les enfants, Cindy, je double ton argent de poche. Il est où le distributeur? Salut Jojo. Bonjour jeune homme. Mais vous êtes la maman de Tom? Non mais il délire le gnome. Allez va jouer dans ta chambre, là-bas. Ça va, mon chéri? Mon petit? Oui, maman, madame. Maman? Va voir Jojo, il a l'air bizarre. Par là. J'ai tendu un fil en travers de la porte. Quand elle va sortir, elle va valser dans le chariot à plateau, là, devant tout le monde. Pas mal. La voilà. En fait, t'es une loseuse. Vous avez commandé un chocolat. Maman, t'as rien à faire dans cette école. S'il te plaît, va-t'en. Ça va mal se terminer. Tu peux comprendre ça au moins. Je te trouve bien stressée. Ça m'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a, ma Cindy? C'est ce Kevin. J'ai vu comment vous vous regardiez. Kevin? Comment tu peux imaginer que moi et Kevin? Non mais les enfants, où est le problème si cette jeune fille est amoureuse de Kevin? Comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Qu'est-ce que t'as prévu? C'est bon, je sais ce que je dois faire. C'est ta dernière chance. Faut que la prof Willow ait tellement la honte qu'on la revoie plus jamais. Cindy! Cindy! Cette fille Tamara, elle veut ridiculiser maman, il faut faire quelque chose! Bah, pourquoi t'as la baguette? Eh bah, pour ridiculiser maman, par exemple. Quoi? Je vois que la bonne humeur règne. Quelqu'un a raconté une blague? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, je parle aux élèves. C'est important, la relation.
Cessez immédiatement ce jeu stupide! Quel jeu? Oh là là, mais qu'est-ce que t'as fait? On n'est pas dans un cirque ici, on est dans un collège. Quel exemple pour les élèves! Mais pourquoi t'as utilisé la baguette? Et pour ridiculiser maman en plus! Oh, laisse tomber, Microbe, ce serait trop long à t'expliquer! Ouais, en attendant, j'espère que t'as une idée pour la sortir de là! Hmm? Mais tu m'as trop énervée! En attendant, je n'ai jamais ridiculisé ma mère! Et moi, je m'incrusterai jamais à l'école de ma fille, si j'en ai une! Et j'ai pas de petit copain, et surtout pas Kevin! Madame Willow, vous êtes priée de remballer votre technologie de pointe et de quitter mon établissement à jamais! Vous êtes virée! Allez, là, il faut se réconcilier, sinon on va manger froid. Maman, j'ai eu tort de te ridiculiser. Pardon. Cindy, j'ai eu tort d'avoir été aussi indiscrète. Pardon. Pardon. Pardon, pardon. Oh, pardon. Pardon. Autant d'amour, ça me donne envie de vomir. Pardon, Férocia. Pas les pattes. Je te pardonne. Non, c'est moi qui te pardonne. Tamara, tu crois que les monstres sont encore là? Si t'étais vraiment ma copine, tu sortirais pour aller voir. Mais chérie, mais oui, maman apporte le miam, miam. Couchez, couchez. C'est pour du mâchez bien, mes beautés, sinon vous allez avoir mal au ventre. Mais comment peux-tu aimer des fleurs aussi épouvantables, Férocia? C'est vrai, elles sont vraiment affreuses, n'est-ce pas? Mes chéries adorées. Et comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Oh! Au plein sur mes fleurs! Oups, désolé. Elle m'a mordu, chérie, cette vilaine fleur m'a mordu. Chérie, ces nains sont des nains très très spéciaux. Ils sont moches, j'en veux pas. Je veux un autre cadeau à la place. Regarde, Tom. Ce sont bien des... Bah ouais, c'est des nains de jardin, et alors? Tu te souviens de nos charmants voisins, les frères nains, quand nous habitions le monde féerique? J'ai bien l'impression que ce sont eux, les malheureux. Quelqu'un a dû leur jeter un sort. Mais attends, maman, c'est ridicule. C'est juste des nains de jardin en plastique. Ici, les gens en mettent partout, y a pas de quoi s'affoler. Alerte, alerte! Avis aux amateurs! Amour, castagnette et décolleté va commencer! Génial! Ouais, cool! J'arrive!
plus vrai que nature. Bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour, bienvenue chez nous. Tu vois, je ne t'avais pas dit que c'était amusant. C'est beaucoup plus sophistiqué que tous les autres nains de jardin. Laisse-moi le refaire, encore une fois. Bonjour. Mais voyons mon cœur, il ne faut pas trop user les piles. Sinon quand tes amis vont venir, tu ne pourras plus les épater. Elles vont être vertes de jalousie. Ah, qu'elle est adorable, ma petite princesse. Comment? Tu es amoureuse de Stephen et Jessica n'en sait rien alors que Brandon ignore l'amour que tu portes à Kevin qui lui-même a des sentiments pour la mère de Kimberley. Ils ont bougé! Les nains dans le jardin des voisins! Ils ont bougé et ils m'ont même parlé aussi. Excuse-moi ma libellule, mais tu sais que t'es devant la télé là. Ouais, serait, t'es pas transparente. Ils sont vivants! Ces nains sont en vie! Et pas plus tard qu'hier, tu croyais que tes chaussures te parlaient en espagnol. Oh, allô! Une minute d'attention, s'il vous plaît! Je répète que les nains de Monsieur Lumberg ont bougé et m'ont parlé! Venez voir si vous ne me croyez pas! Pour le moment, ils bougent pas beaucoup, tes nains. Tu trouves pas, ma libellule? Un peu de patience, vous allez voir. Bien, bien, bien. Bon, ben moi, je retourne voir si Stéphane a enfin plaqué cette petite dinde de Jessica. C'est pas que je m'ennuie, mais sur ce coup-là, je suis avec Tante Férocia. Ça y est, vous avez entendu, ce sont eux, ils sont parlé. Mais bien sûr qu'ils l'ont fait, ma libellule, si tu le dis. Mais là, j'ai besoin d'un sandwich de toute urgence. Et toi, Tom, est-ce que tu me crois au moins? Et pourtant, je vous jure que je n'ai pas rêvé. Bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour, bienvenue chez nous. Je savais bien que ce n'était pas une illusion. Nous sommes petits mais gentils. Tandy, c'est toi? Ne vous inquiétez pas, mes amis, je vais lever ce vilain sort. Voilà. Et le moment de vérité? Tom avait raison. Vous êtes des nains en plastique. C'est qui ces types bizarres dans la baignoire? C'est pour remplacer les canards? Ce sont les nains de Monsieur Lumberg et maman a rien trouvé de mieux que leur donner la vie. Hé, vous la fermez cette porte, on gèle ici. Maman, tu m'avais pourtant promis. J'ai juste donné un petit coup de baguette magique de rien du tout. Je ne pouvais tout de même pas les laisser sous la pluie. On crève de faim, y a rien à bouffer dans cette baraque. Oh, ils ont des bonnes manières en plus. Hé, ça va pas la tête. Donne-moi ça. Toi là, comment tu t'appelles? Lui c'est Creuseur et l'autre c'est Brouetteur.
Ils parlent pas, l'un creuse et l'autre brouette, tu piges. Moi, c'est Bougon. Tu nous as préparé quoi, Becté? Comment? Ça va, vous trouvez ça à votre goût? Ouais, on peut pas dire que ce soit terrible, mais bon, s'il n'y a rien d'autre. Qu'il est charmant. Hé, face d'ange, on ne t'a jamais dit que t'étais carrément canon. Je suis Willow. Voici mon mari, Gregor, Tom, Cindy, nos enfants et Férocia. Laissez-moi deviner, Férocia, c'est l'arrière-grand-mère. Ah, c'est un marrant, lui. J'étais en train de regarder la télé quand ce demeuré est arrivé et l'a attaqué au piolet. Bon, eh ben, on va pas vous retenir plus longtemps. Vous avez certainement un tas de choses à faire, comme descendre au fond de la mine, par exemple. Mais c'est qu'il est drôle aussi, le gros. On va aller nulle part. La dame nous a redonné vie, alors on est comme qui dirait vos invités. Et à ce propos, vous nous montrerez où sont les pioles. J'ai bien entendu. Il m'a appelé le gros. Cette espèce de gnome m'a traité de gros. Non, mais tu sais ce qui te répond, le gros. Oh là, bonjour la laine. Il est trop craquant. Vous êtes les bienvenus chez nous. Et vous pouvez rester aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous pensez quand même pas qu'on va dormir dans le même plumard, non? Eh bien, pour tout vous dire, nous n'avons pas... Il nous faut une chambre chacun. Pas question que je les entende ronfler toute la nuit. Cindy, je t'accorde que de temps en temps, il peut devenir limite agaçant. Qui a volé la cuvette des toilettes? Je vous préviens que je suis à deux doigts d'en manger un. Monsieur Lumberg, quelle bonne surprise! Vous ne sauriez pas où sont passés mes nains par hasard? Ils ont disparu. Non! Oh, mais vous faites des travaux dans la maison? C'est ça! Exactement! On refait tout à neuf! Au revoir! Hein. Stop! Hey, stop! Vous allez finir par nous faire remarquer! Maman, s'il te plaît, fais quelque chose! Bon, bah moi, je vous laisse. Je vais faire des courses au supermarché. Au moins, là-bas, il y aura un peu de calme. À tout à l'heure. Hey, nous aussi, on va aller se promener avec le gros. Oh, pas question, le gros. D'abord, je suis pas gros, puis j'en ai bien claque des nabos abonnés. Voyons, chérie, ça leur ferait tellement plaisir. Emmène-les donc faire un petit tour. Mais enfin, maman, on peut pas les promener dehors. Trois nains de jardin vivants avec un ogre, ça va pas passer inaperçu. Et un charmant papa avec d'adorables triplés, ça serait pas mal, non? Plus vite! Plus vite! Ok. Ça va, c'est assez rapide pour vous. Je vous préviens, vous avez intérêt à vous tenir tranquille. Comme des statues de cire. T'as vu, ils ont été gentils pour une fois. Rires.
Tiens, ma puce. On a faim, et j'espère que ça sera pas aussi infect que la dernière fois. Je m'appelle Blanche-Neige et j'aimerais m'installer dans votre maison. Je cuisinerai, ferai le ménage, chanterai et danserai pour vous. Une pomme rien que pour moi. Chut, on est tranquille, ça devrait les occuper un moment. Oh, un peu plus et j'étranglais ce petit effronté. Vous ne trouvez pas qu'il a un petit je ne sais quoi d'Harrison Ford? Mais je croyais que vous regardiez Blanche-Neige. Bah ouais, mais la sorcière vient de l'endormir, alors nous aussi on s'endort. Ça peut plus durer, il faut qu'il s'en aille. Oui, je suis d'accord, et toi Férocia, arrête de me piquer toute la couverture. Je sais qu'ils sont un peu bourrus, mais essayez de vous mettre à leur place. Ils ont des habitudes de célibataire. Bourrus ! Ils sont dégoûtants, révoltants, méchants. Ils puent, ils ronflent, ils sont affreux, sales et hargneux. Et pour couronner le tout, l'un de ces ignobles gnomes puants dort dans mon lit. Une fois n'est pas coutume, mais je dois admettre que j'approuve à 100% le vocabulaire employé par Cindy. Ces messieurs dames veulent bien prendre place. Thé, café, chocolat, tartine. Ah, c'est le meilleur petit déjeuner que j'ai mangé depuis des siècles. On a un peu réfléchi à notre comportement pendant la nuit et on a réalisé qu'on n'avait pas vraiment été les invités parfaits. Ah bon, vous trouvez? Alors on a voulu faire un effort pour se racheter parce que vous nous avez accueillis gentiment et nous, on a été mal élevés, méchants. Oh, allons, allons, c'est pardonné. Ne vous mettez pas dans un état pareil. Mais si on a honte d'avoir été aussi ingrats, alors pour vous remercier, on vous a organisé un pique-nique. Prenez votre journée, profitez du soleil et pendant ce temps-là, nous on rangera toute la maison. Waouh, vraiment, c'est trop trop gentil de votre part. Parce que pour être franc, à un moment, j'avais envie de vous écrabouiller et de vous transformer en purée de nain. Mais là, je vous trouve plutôt sympa. Allez, allez, c'est normal, filez. Bonne journée et profitez-en bien. Eh bien, vous voyez, ils ne sont pas si méchants que ça. Ça, je dois admettre qu'ils me surprennent agréablement. Et moi, désagréablement. Il viendrait à l'idée de personne qui a quelque chose qui cloche quelque part. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai horreur des pique-niques. Quelle belle journée on a passé. Pourquoi est-ce qu'on n'organise pas des pique-niques surprises plus souvent? C'est bizarre! La porte est fermée à clé! Qu'est-ce que c'est? C'est nous! Ouvrez cette porte tout de suite! C'est qui, nous? Ben, c'est nous, quoi! Vous savez bien, Grégor, Willow, Tom, Férocia! Jamais entendu parler! Je savais bien qu'ils étaient pas nets! Ouais, bah ils vont pas me laisser enfermer dehors longtemps. Comptez-vous dans les nabos, voilà le bulldozer. Porte blindée, vitres incassables, murs renforcés, vous n'avez aucune chance. Maman, prends ta baguette. Pour une fois, je crois que la situation l'impose. C'est moi qui l'ai, ta baguette, ma petite dame. Ils t'en ont fabriqué une fausse. Dorénavant, ici, c'est chez nous. Allez, du vent, au revoir, les gogos. Ah,
Cette fois, on peut dire qu'on est au fond du trou. Mais comment autant de méchanceté peut-elle tenir dans un aussi petit corps? C'est tout simplement merveilleux. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. On va pas rester là sans rien faire, il faut trouver une solution. Et c'est quoi le plan, petit frère? Je réfléchis. Oh? J'ai trouvé un cheval! On va fabriquer un cheval de Troie! Non, dans tes rêves, petit, jamais mon bougon ne tombera dans le panneau. C'est là que la mairie entrepose les chars du carnaval! C'est qu'il est malin, mon garçon, c'est pas mon fils pour rien. Je chercherai plutôt du côté maternel. Hi-ho, ha, à nous la belle maison. On les a hissés des pigeons, la baraque est à nous. Bonjour. C'est Blanche-Neige. Elle est venue jusqu'ici pour s'occuper de nous. Ce qu'elle est belle et encore plus canon en vrai. Alors, les nains de jardin ont fait moins les fiers, hein? C'était une blague! Me dites pas que vous avez cru qu'on voulait voler votre maison pour de vrai! Et qu'est-ce qu'on va faire d'eux maintenant? Si tu m'épousais, tu ferais partie de la famille et tu pourrais rester pour toujours! Non, mais ça va pas. Je suis peut-être fauché à la rue, mais je suis pas désespéré à ce point-là. Si on les torturait... Ou bien on les retransforme en statues, ils retrouvent la pelouse des Lumberg. Ah bah pitié, faites pas ça. On a horreur des pelouses. En plus, on est allergique à l'herbe et je vous parle pas de la pluie et de la grêle. Des chats qui viennent se soulager sur nous, sans compter le front de libération des notre jardin. Oh, j'ai trouvé! Dis donc, Tom, tu crois que le moment est bien choisi pour regarder un DVD? C'est pas n'importe quel film, papa, c'est Blanche-Neige. Ils y seront dans leur élément. Oh, regardez, les voilà. Ils sont partis dans le film. Ils font encore plus petits à la télé, hein? Dis donc, elle fait peur, cette forêt. Vous êtes sûr que c'est celle où habite Blanche-Neige? Tiens, c'est marrant. On aurait dit un dinosaure. Hein? Oh, je me suis trompée de boîte, on les a envoyés dans Aventure Préhistorique 3! Celui-là, au moins, le front de libération des nains de jardin ne risque pas de venir nous le voler! Ouais, mais ta sirène, elle parle même pas! C'est nul, papa! Nul! Non, oh, Grégor! Regarde! C'est moche, c'est nul! J'aimais mieux les nains! C'est la petite sirène! Comment a-t-elle pu atterrir ici? Parfait! Ouais, bof! Ah, j'allais vous oublier! T'aurais mieux fait de te taire! Mais, maman, c'est Halloween, pas la Saint-Valentin! Ah, mais vous n'allez tout de même pas sortir comme ça! Vous allez faire peur aux enfants! Justement, c'est ça le principe d'Halloween! Mais c'est tellement plus agréable de ne pas avoir peur! N'est-ce pas, Grégor? Sûrement, ma chérie, sûrement! Si vous me cherchez, je fais une animation au magasin de magie! Bonjour, monsieur! Joyeux Halloween à tous! Prêt pour une soirée de terreur! Ah, c'est lui ton cousin! Trop cool ton déguisement! Je suis vraiment obligée d'accompagner les nains. J'ai plus l'âge de demander des bonbons, maman. Tu n'as qu'à enfiler cette tenue, ça va te mettre dans l'ambiance. Non, merci. Ouais! Halloween, la seule journée de l'année où une sorcière est la bienvenue. Alors, c'est qui est la plus belle? Sauvé par le gong. Ils sont à moi!
Des bonbons ou la vie? Il faut que tu m'apprennes à célébrer Halloween. J'ai pas que ça à faire, j'ai d'autres chats à fouetter et plein d'enfants à martyriser. Je suis prête à tout. Je t'en prie. Prête à faire trembler les enfants des pieds à la tête. Prête à te boucher les oreilles alors qu'ils te supplient d'arrêter. Prête à devenir un horrible monstre. Oui, mais je ne veux pas trop les effrayer non plus, hein. Non, mais t'as rien compris. Les enfants adorent avoir peur. Et plus tu leur feras peur, plus ils s'amuseront. Ah bon? Dans ce cas, je vais leur coller la pousse de leur vie. Non, hors de question que je file la frousse aux enfants. Encore moins déguisé en ogre, ça ne m'ira pas du tout. Pourtant, vous avez le physique de l'emploi, Grégor. Et puis, tous les ogres ne sont pas des monstres. J'en connais même qui sont végétariens. Bien, moi, je connais même des gens qui cherchent du travail. Un enfant qui a peur... C'est un enfant qui achète. Alors, au boulot. Merci, monsieur. Hé, hey, c'est pas juste. T'as beaucoup plus de bonbons que moi, maintenant. Voilà. Comme ça, vous en avez autant, content les trolls. Enlève-moi ce sourire niais de ton visage. C'est plus réaliste. Allez. Fais-moi ta tête la plus effrayante. Oh. Ah, c'est nul. Y a pas quelque chose qui te met en rage dans la vie? Les gens méchants? Très bien. Et qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu croises des gens méchants? De les rendre gentils. Bon, on passe aux travaux pratiques. Fais comme moi. Plus méchante. Plus féroce. Super, j'ai réussi, merci Sorette. Ouais, c'est tout naturel. Papa, le monsieur, il a mal à la gorge. Tiens, ça te fera du bien. Excusez-le, c'est son premier jour. Et très certainement le dernier, si vous n'y mettez pas du vôtre. Grégor la Terreur, à vos ordres, madame. Maman, on est rentrés. Maman? Oh. Maman? T'es là? Bon, vous attendez quoi? Derrière toi! C'est votre imagination qui vous joue des tours, bande de pétochards! Tata, qu'est-ce que tu fais là? C'est Willow! Elle est possédée par l'esprit d'une méchante sorcière! Oh, elle est à l'étage! Tu vois, je t'avais dit que les sorcières existaient. Il n'y a qu'une sorcière dans cette maison et elle a même pas de pouvoir. Bon, vas-y alors. Et nous, on fait le guet en bas au cas où. Attends, on peut pas te laisser toute seule là-haut. T'auras peut-être besoin de renfort. Je vais te manger toute crue. Tous les ogres ne sont pas méchants, tu sais. Sauf quand ils ont faim. Mais pas ce soir, j'ai une petite indigestion. Le dernier enfant que j'ai mangé ne devait pas être très très frais. Oh.
Il faut chercher papa. Il est le seul à pouvoir nous aider. C'est moi, les enfants. Ne vous en faites pas. Je vais vous sortir de là. Tu penses qu'ils y ont cru? On y est peut-être allé un peu fort, non? Jamais de la vie, tu as été parfaite. Mais bon, tu peux mieux faire. Ah bon? Ouais, c'est même le moment d'en rajouter. Montre-leur ce que tu as dans le ventre. Comme Cindy? Je suis désolé, les enfants. Je voulais pas vous faire peur. Mais ça va pas la tête! Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est maman, elle est possédée par une horrible sorcière. Jojo, donne-lui tes bonbons avant qu'il nous jette un sort. Un farfadet ne se sépare jamais de son or. Papa, fais quelque chose. Tu connais maman mieux que nous. Ma libellule, ne te mets pas dans des états pareils. Tu vas te faire mal. Avec le grand méchant ogre, deux pour le prix d'une. Et en tout cas, Férocia avait raison. Les enfants adorent avoir peur. C'est si drôle. Ah!